Les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. J'espère que vous, chez vous, vous allez bien parce que moi, chez moi, je vais super bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog comme d'habitude, bordel. On vous emmène avec nous dans notre folles aventures. Donc ça y est, nous avons le vent. Donc dans ce vlog, vous allez voir notre nouvel achat. Donc on est très content. J'ai hâte de vous le montrer. Au moment où je vous parle, nous sommes mardi. Mardi 14 septembre et là cet après-midi nous allons aller faire les magasins et là vous allez me dire mais pourquoi tout simplement parce que j'ai envie de renouveau, j'ai envie de changement. Donc nous avons décidé de changer le meuble télé parce qu'en fait je ne peux plus me le voir. Rappelez-vous, j'avais été grave déçu du meuble. Il nous a coûté plus de 200 quelques euros et c'est de la grosse daube. La table basse de chez Maison du Monde, pareil, nous avons été totalement déçue et elle vieillit très mal. Elle nous fait des taches, elle nous fait des marques, vous voyez il y a des marques là, alors que je l'avais verni et tout, donc je ne peux plus me l'avoir non plus. Et le canapé, je ne peux plus me le voir non plus. Voilà, donc clairement tout ça, ça va partir. Donc cet après-midi on va aller chez Maison du Monde voir, parce que je recherche un canapé spécifique. Je vais vous montrer juste après. Mais on a juste eu des petits couacs. Enfin, après en vrai Maison du Monde c'est vraiment de la daube, on va pas se mentir. Clochette est juste montée sur le meuble et regardez, voilà. Donc pour vous dire qu'on est vraiment sur une qualité vraiment merdique, hein, on va pas se mentir. Pareil, ça c'était ce matin, elle est montée dessus, elle l'a griffée. Donc comment vous dire, un meuble à plus de 600 balles, ça fait bien chier, soi-disant pour du bois, hein, on va pas se mentir. Voilà, donc on est légèrement un petit peu beaucoup vénère, mais bon, le meuble est là, on va le garder pour l'instant. Donc en fait, j'adore ce canapé là, vous voyez l'effet de ce canapé, voilà. J'adore cet aspect-là, mais par contre, j'ai voulu le commander hier soir. Alors, ce qui m'a interpellé, je vais pas vous mentir, c'est 1669 euros et là, vous le tapez à 600 balles. Donc, je me suis dit, c'est un peu bizarre. Donc, c'est sur Bobo Chic. Et avant de le commander, je dis à Brian, attends, je vais quand même aller voir les avis. Et déjà, livraison sous 40 jours ouvrés. Donc là, je me suis dit, what the fuck. Et en plus, donc du coup, je vais sur Google et je tape le site Bobo Chic. Et en fin de compte, c'était une catastrophe, tout était à fuir. Donc du coup, je me suis dit, tant pis, ça sera pas celui-ci. Rien n'a avancé puisqu'on a le temps de rien. Le home que j'ai acheté à la foire fouille, en fait, il va aller juste ici. Donc vous voyez, il y a quand même travail de mur. Juste ici, et comme je vous ai dit, dedans, je vais mettre de la mousse verte. Donc je sais pas si dans ce vlog, il y aura de l'avancée là-dessus, je ne pense pas. Mais en tout cas, je vous explique un petit peu l'avancée du processus, n'est-ce pas? T'as va toi? Au bout du dos? Clochette. C'est une curieuse Clochette. Clo-Clo. Bonjour. Bonjour ma Clo-Clo. Depuis que nous sommes dans la maison, Brume vit sa meilleure vie. Sincèrement, là on a hâte de finir le dressing. Oui, bon bah alors ça c'est une question d'habitude, hein. Tout le temps, voilà. Ça se bagarre, mais en soi ça joue beaucoup aussi. Mais la petite est mauvaise, regardez-la comme elle est mauvaise. Oui, mon petit, ça t'en as marre mon bébé. Alors Kaline, on la voit presque plus puisque maintenant madame est devenue une chatte des campagnes. On ne la voit plus, quasiment, elle vient manger, boire et, ben, et rien du tout. Ah c'est vrai, et bonjour. Et bonjour toi. Bon bref, sinon voilà, hein, je vais pas vous raconter toute ma life non plus, il y a aucun intérêt. Donc je vous emmène avec moi dans ce vlog bordélique, c'est parti, let's go, en avant, Guingamp. Bon, je vous reprends dans ce vlog, on vient d'aller chercher notre nouveau sèche-linge. Donc le voilou, on a pris une 10 kg. Donc pour le coup elle est vraiment très belle. On a pris la marque Candy comme ma machine à laver. Et alors, elle est vraiment... Ouh là 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 là, attends, il y a trop de trucs. En fait, on l'a un peu déballé à l'arrache. Et là, c'est le réservoir d'eau. Donc, je trouve ça plutôt pas mal et bien fait. Franchement, elle est vraiment très belle. Et au moins, on va pouvoir mettre notre couette à sécher. Donc, les plaids et tout, ça va être trop bien pour cet hiver. Franchement, elle est trop belle. Je suis trop content de cet achat. Bon, là je suis en train de faire toutes les petites rainures de merde
qui sont très 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 chiants à faire, mais je veux quelque chose de net. Le dessus, il me reste juste une petite finition à faire avec le compresseur, donc avec la ponceuse, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, franchement, je pense qu'elle va être plutôt pas mal. Elle va vraiment rendre très très bien. Oh, Tigger, regarde, t'as toute la tête pleine de ponçage, mon dodo d'amour. Oh bah oui, on va à la douche en rentrant. Hein. Ensuite, il faut que je ponce toute notre rambarde d'escalier. Non, parce que hey, clairement, regardez-moi les anciens gens, quoi. Hey, c'est pas des gens cracra, sérieux. Donc je vais poncer ça nickel. Le but étant d'obtenir à ça. Voilà, voilà, voilà. Ça va être du taf. Mais au moins, le résultat sera vraiment... Franchement, je suis très content de cette table. Hein. Bon les amis, je vous reprends dans ce petit vlog bordel. J'espère que vous, chez vous, vous allez bien. Comment vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Si vous me suivez sur Instagram, je pense que vous êtes déjà au courant. Alors, de base, j'avais prévu un week-end surprise à Brian. Donc, c'est-à-dire Puy du Fou, hôtel, restaurant, tout le tralala. Malheureusement, au moment où je vous parle, nous sommes samedi et nous sommes pas au Puy du Fou parce que Brian a eu de grosses douleurs au niveau du ventre et on pense à une infection urinaire. Donc je l'ai emmené aux urgences. Donc j'ai emmené Brian aux urgences hier soir à 23h je crois parce que voilà, il y avait des choses, je vais pas vous rentrer dans les détails hein, clairement. Donc on est parti aux urgences de Louviers pour les personnes de Normandie. Super, franchement ils sont au top. On n'a pas du tout attendu. Bon, ça a duré longtemps parce que du coup, ils ont fait un tas et un tas et un tas d'examens, de prises de sang, de prélèvements, de tout ça, tout ça, tout ça. Et du coup, nous avons les résultats lundi ou mardi. On verra ce qu'il a. Pour l'instant, on ne sait pas. Donc voilà. Donc du coup, nous ne sommes pas au Puy du Fou ce week-end. Donc, nous allons pouvoir faire les travaux. Voilà, donc on va commencer à faire pas mal de choses dans la maison. Je vais vous montrer, je suis allé chez Action, j'ai acheté pas mal de choses. Donc là je viens de renettoyer ma terrasse, voilà. Et puis on va commencer à reboucher les trous au niveau des murs ici, parce que sincèrement ça va faire un an le 12 décembre que nous avons la maison. Et clairement ça n'avance pas et ça me casse les glaouis, parce que je ne pensais pas reprendre un travail aussi rapidement. Donc du coup bah... pas le time, pas le time. Pareil, j'ai reçu des colis. Donc je vous montre ça plus tard dans le vlog. Mais ça c'est un partenariat, ça c'est un deuxième partenariat, j'en ai un là-bas. Donc j'ai hâte de vous montrer tout ça. Et sinon, dans la catégorie petit achat chez Action, j'ai pris deux plateaux. En fait j'hésitais entre le petit et le grand. Et puisque je ne sais pas de prendre des décisions, et ben j'ai pris les deux. Donc du coup j'ai pris le grand comme ceci. Et bon après il faut retirer l'étiquette bien évidemment. Mais il est trop bien. Alors c'est pas de la. C'est pas de la paille là, je sais pas comment vous appelez ça là. C'est pas genre du rotin, c'est du métal. Mais du coup c'est pas plus mal. Comme ça au moins il y a moins de... pour moi c'est du métal, c'est effet bambou. Je suis d'accord mais bon. Donc voilà, j'ai acheté ça. Je pense qu'il y en aura un qui ira en haut et un qui ira peut-être sur la table basse. Sachant que la table basse, comme je vous avais dit, celle-ci va partir. Si vous avez des sites de canapé, on est preneur. Parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un canapé d'angle, puisqu'on n'aura pas la place. Et on peut pas se permettre d'avoir un canapé trop large. Donc en fait c'est un peu le bordel. On galère à trouver. Et mon petit Raven qui est dans le panier de petites clochettes. Mais tu es grand mon doudou. Tu es grand mon bébé. J'ai acheté également ça chez Action pour mettre sur ma porte d'extérieur. Parce que je vais faire une couronne automnale. Donc voilà. Et je vais également, j'attends une commande Amazon. Et je vous montrerai. Normalement dans ce vlog vous allez tout voir. Donc vraiment restez bien connectés dans ce vlog. Je vais décorer mon encadrement de porte d'entrée. Bon, je vous reprends, je voulais vous montrer, j'étais chez Favnec dans une jardinerie pas loin de chez moi. J'ai pris cette petite pépite, une fois allumée, c'est magnifique. Et j'ai également acheté une nouvelle bougie, bergamote ambre. C'est de la marque Village Candle, je ne sais pas si vous connaissez. Je l'ai payé celle-ci 25 euros. J'ai trouvé cette petite citrouille trop belle, et attendez, je l'ai payé 5,90, donc clairement pas cher du tout. J'ai adoré, je vais faire une, je pense, une petite compo peut-être sur le meuble ici en attendant. Mais ça, je crois que je vous avais montré, j'avais acheté tout ça, j'ai même pas encore eu le temps de tout faire encore. Donc je pense que dans ce vlog on devrait être pas mal. Je viens également de recevoir l'un des meubles pour le dressing, donc j'ai trop hâte de le monter et de vous montrer l'univers que je vais faire dans le dressing, parce que ça fait très longtemps
que je dois le faire. Et là, ça y est, on est à fond dans le dressing, donc c'est trop bien. Du coup, comme je vous ai dit, j'ai refait une patine sur la table à manger. Donc ça rend un aspect beaucoup plus clair, beaucoup plus lumineux. J'ai fait une patine blanche et j'ai mis, là, je suis à ma quatrième couche d'huile protectrice. Et là, je pense qu'on est pas mal. Là, on est vraiment très très bien. Ensuite, nous avons repeint du coup les poutres en blanc. Tac, 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 tac. Tout ça, ça va être en béton ciré ici. Donc tout est là. Enfin, on vous montrera tout. Là, c'est vraiment le bordel. Mais on veut vraiment que tout soit terminé. On a également repeint la porte ici. Donc là, c'est la première couche. Le home est accroché. Donc pareil, ça va être enlevé pour que je puisse refaire tout en blanc. Le plafond en blanc. Je vous montre rapidement le début des travaux, donc du dressing. Donc du coup, nous avons opté pour quelque chose de très simple, puisque nous avons les commodes ici. Bon, là clairement c'est encore le bordel, mais ça avance. On a également acheté, donc je vous avais dit, les tréteaux de chez Ikea. On a été acheter ce week-end le dessus du bureau en verre. Ça va être trop canon, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Là je suis en pleine peinture, donc du coup des murs, mais là il me reste une petite couche à faire et on est bon. Et en fait, comme vous pouvez le voir, voilà, en dessous, nous avons fait un système comme ceci pour ranger en fait toutes nos vestes. En fait, on a fait ça que pour ranger nos vestes. Donc, toutes nos vestes rangées à peu près par couleur. Vous avez aussi sur le côté. Et en dessous, en fait, on a mis un meuble Ikea basique avec deux bacs et un petit rangement et avec deux petits paniers pour les petits loulous. Je sais pas s'ils y vont pour l'instant. Alors, Scott, il a pas compris que c'était pas pour lui. Bref. Donc voilà. Si vous me demandez, les rideaux viennent de la Redoute. Par contre, je suis dégoûté parce qu'ils sont super beaux. C'est du 100% coton. Le problème qui se pose, c'est que j'ai acheté de base 3 blancs et sur les 2 blancs, il y en a un qui est un peu jauni. Donc je ne sais pas pourquoi, je suis dégoûté. On a appelé la Redoute, ils nous ont refait un geste, donc ils vont nous renvoyer un rideau blanc comme ceci. Enfin, de la même référence, pour voir si c'est bien un problème de leur part ou je sais pas. Mais on voit bien qu'il y a un côté blanc et un côté un peu jaune, donc je suis vraiment dégoûté. Bon, je voulais vous montrer, j'ai acheté ça dans le magasin où j'achète mes fruits et légumes. Et du coup, c'est la cagette pour 3 euros. Donc ça vaut grave le coup. Bon, après, il faut aimer les artichauts, hein, clairement. Mais bon, moi j'aime trop. J'ai pris quoi d'autre? J'ai pris un camembert, un petit Neuchâtel. Et alors, j'essaierai de vous mettre la... J'ai mis la recette sur Instagram. Mais ça a l'air trop bon, ce velouté. Et je pense que je vais le faire demain soir. Franchement, j'ai trop trop hâte de goûter ça. Et ce soir, on fait des hamburgers. J'ai acheté du pain, du bon pain. Donc ça devrait être pas mal. J'ai pris également un pain de campagne. Je pense que ça va être très très bon. Bon, voilà notre achat. Un vent. Et franchement, on a fait une bonne occasion. On va juste refaire le sol. Parce que le sol, il est à refaire. Et le sol, on le fait faire. C'est parfait qu'on fait ça. Rénove. Ah, c'est un truc... Ah. Donc le sol va nous coûter... Monsieur le professionnel. Voilà. Oh. Non mais regardez. Bref, donc on refait le... Oh. On va refaire le sol du coup, comme j'étais en train de vous expliquer avant que Clévar y gueule. Donc le sol, on va en avoir pour 800 euros. Et le vent, on l'a acheté... De base, il était à 2005 et j'ai négocié à 2000. Voilà, il était à 2005 et on l'a négocié à 2000. Enfin, il l'a négocié à 2000. Mais il est très propre. Hein. Bon, il est... Franchement, il est très très bien. Mais il est très beau. Extérieurement, il est propre. Très très propre. Juste voilà, juste un coup de karcher. Ouais. Les amis, je vous reprends dans ce petit vlog avec quelques changements capillaires puisque j'ai été enfin chez le coiffeur, donc ça fait relativement pas mal de bien, n'est-ce pas? Bon bref, là je sors du coiffeur, donc c'est un peu le bordel. Je vais à ma voiture et je vous montre ce qu'on a acheté. On a trouvé des assiettes un peu style vintage, trop bien, trop. Trop, trop bien. Je tourne cette petite caméra et je vous montre ça de suite dans ce petit vlog gros gros bordel puisque j'ai réuni deux vlogs, voilà. Alors pour l'instant tout est dans la voiture, donc je vous montre. Regardez-moi comme c'est trop beau. Magnifique. Non bon, bien évidemment j'ai tout à laver, mais c'est trop trop beau. Donc du coup tout a été emballé
dans le magasin que je l'ai acheté. En fait, ça s'appelle la ressourcerie. Je sais pas si vous connaissez, c'est un peu genre Emmaüs. Et alors, regardez-moi. Donc, j'ai 24 assiettes comme ça. J'ai des plats aussi, comme ça. Magnifique, franchement magnifique. Alors ça, c'est l'autre service. Ça, c'est le vrai service, voilà. On a des petites, on a des grandes, on a des... Comment t'appelles ça là? Pour mettre la sauce. Voilà. On a des grands plats, on a plein de petites assiettes, on a un grand saladier. Vous voyez, il y a large... Enfin, clairement, je pense que je peux recevoir du monde sans problème. Franchement, je suis trop content de ce service. Et alors, il y avait également un autre service que je trouve relativement magnifique. C'est celui-ci. Alors, je ne sais pas si vous allez aimer, mais je trouve qu'il va exactement dans notre style et dans la maison, dans notre maison. Donc ça va être trop beau. Donc pareil, on est sur un service de 24 pièces. Donc on a 24 petites, 24 grandes. Et tout est bien enveloppé ici. Donc voilà, tout ça c'est les petites. Après vous avez les grandes derrière. Je vous montre la suite. Regardez, en fait chaque service a tout son ensemble. On a les petites assiettes pour mettre le café. J'ai les tasses à café là-dedans. Pareil, enfin je vais pas tout vous montrer parce que tout est enveloppé. Il y a les plats, il y a les petits saladiers, il y a les assiettes creuses, il y a des grandes autres. Enfin vous voyez, tout est varié en fait et tout va ensemble et ça j'adore. Et au moins ça, je sais que ça ne bougera pas. Il y a des endroits un peu vieillis, mais justement c'est ce qui fait le charme du service. Voilà, la bonne découverte en tout cas, si vous avez besoin, la ressourcerie, il y a plein de choses vraiment très bien. Bon, là nous sommes à l'endroit préféré des chiens, c'est-à-dire les champs. Regardez la vitesse du chien. Et il y a ce Coty qui est un petit peu plus pâteau. Allez Coty, viens. Coty, Coty. Regardez comme il a grandi ce toutou. Il est devenu énorme. Il n'y a rien de mieux dans la vie que le bonheur. Regardez-moi ça. Doudou. Il est trop content. Les amis, je vous reprends dans ce vlog. Nous sommes samedi matin, avant de partir au travail, je vais faire la deuxième couche de la peinture. Donc là, j'ai fait surtout quelques murs parce que j'ai fait le plafond et ce mur-ci et oubla, ce mur-là parce que le reste sera en enduit coloré, voilà. Donc du coup j'ai fait la première couche au plafond et sincèrement on voit la différence. Donc là je vais faire la dernière couche ce matin avant de partir au travail parce que oui, je travaille le week-end. Voilà, c'est génial. Donc comment ne pas avoir de vie, bienvenue dans ma vie. Donc je commence à 14h jusqu'à 22h30. Donc du coup comment vous dire, je n'ai pas le choix de faire mes travaux avant le boulot ou après le boulot. Donc c'est à dire hier j'ai commencé à 6h30 du mat pour finir à 16h pour ensuite faire de la peinture jusqu'à 21h, voilà. Et Brian m'a dit ça serait peut-être bien que tu manges un petit peu parce que effectivement je ne sais pas si vous l'avez vu mais j'ai maigri, oui oui oui, parce que je suis tombé malade des dunes. De deux, clairement le stress avec le taf, toutes les choses à faire m'ont fait un petit peu fondre, n'est-ce pas? Et toutes les bougies en fabrication, le site, enfin énormément de choses que je n'ai même pas le temps de gérer. Voilà, bref, beaucoup de choses, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Donc j'espère que vraiment tout sera calé pour vous, chez vous. Dans quelques jours, je vous annonce plein de choses. Donc j'espère que vous avez hâte parce que sincèrement, ce vlog va durer une plombe. J'y bosse vraiment beaucoup, beaucoup. Heureusement que je ne suis pas seul à 100% à bosser dessus. Ma cousine est graphiste, donc du coup c'est elle qui m'a fait tous les designs. Et enfin, on a travaillé ensemble, mais c'est vraiment elle qui a tout confectionné, tout qui a créé. Et franchement, j'en suis totalement reconnaissant d'avoir cette chance-là, d'avoir ma cousine graphiste, c'est son métier. Donc du coup, c'est beaucoup plus facile pour moi d'imaginer et ensuite de lui dire « je veux ça ». Et après, elle le refait à sa sauce. Voilà, n'est-ce pas? Bref. Bon les amis, écoutez, je pense qu'on va arrêter ce vlog bordel maintenant. J'espère que ça vous aura plu de voir tout ce petit bordel parce que là on revient. Nous avons été chercher une table basse, mais la table basse, je ne vous la montrerai pas dans ce vlog, sinon bah aucun intérêt. Donc dans le prochain vlog de la semaine prochaine, je vous montrerai la nouvelle table basse. J'ai trop hâte, on l'a chiné franchement.
Elle est grave stylée. Là, je vais ranger tout le bordel dans le salon. Ça y est, le plafond est peint, tout est peint. Les escaliers, tout est blanc, tout est clean, tout est on fleek. Et il restera plus qu'à faire, du coup, les enduits colorés sur chaque côté des murs. Donc, j'ai trop hâte de vous montrer tout ça. Concernant le dressing, ça prend forme. Bien évidemment, la chaise ne restera pas ici. J'ai voulu tenter, mais en fait, j'aime pas du tout. Donc, du coup, je vais acheter une nouvelle chaise. J'ai acheté ce petit pouf qui ira avec le fauteuil qu'on a commandé sur le site dépôt. Donc dès qu'on l'a reçu, bien évidemment on vous le montre, il va être trop beau. Le fauteuil va aller ici. Donc là en attendant j'ai mis ça comme ça. Mais bien évidemment ça ne restera absolument pas comme ça. Puisque ici je veux un grand cadre doré, enfin vous allez voir. Et je voulais vous montrer, je vous en avais parlé hier sur mon Instagram, la marque Paco Eco, donc c'est un partenariat, m'ont gentiment proposé de faire une collaboration pour faire les trois petites minettes, donc Kaline, Brume et ma petite clochette qui vient d'arriver dans la famille. Donc en tout cas c'est fait vraiment très minutieusement, c'est très bien fait, je peux même zoomer si vous voulez voir, regardez, c'est trop cute. De toute façon je me répète pas, vous avez toutes les informations, je vous mets toutes les informations en barre d'infos avec mon code promo si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ça vous permet d'avoir de beaux souvenirs de vos animaux. Ils font pas que les chats, ils font les chiens, vous pouvez faire vos oiseaux, vous pouvez faire vos chevaux. Vous avez vraiment un libre choix, vous pouvez choisir la taille. Si vous voulez un cadre blanc, un cadre en bois, un fond foncé, enfin, vous choisissez tout. Et en tout cas, j'en suis trop content et je sais pas où je vais les mettre encore. Mais elles sont trop mignonnes, trois de petites. Et franchement, bon, les trois sont réalistes. Hein. Mais Clochette là, oh, c'est impressionnant quoi. Donc voilà les amis, sur ce, on attend le fameux nouveau rideau ici qu'on doit changer parce que du coup il est jaune, on est dégoûté. Mais bon, les aléas de la vie et petit clin d'œil à la Redoute, hein, si vous passez par là, foutage de gueule. Bref, on vous fait de gros bisous sur votre joujou et encore un peu de patience dans quelques jours. Je dévoile un truc déjà. Voilà, je vous dirai rien de plus. Bisous, bisous, vos chers.